À Kiev, un missile russe, visiblement intercepté par les Ukrainiens, a fini sa course au dernier étage d'un immeuble. Un mort à déplorer pour le moment. Dans les rues de la capitale, on ne comprend pas, toujours pas en tout cas, comment tout a pu basculer. 3 semaines de bombardements, des centaines de morts, 3 millions de réfugiés. Absurde pour cette femme que vous avez croisée, Nicolas. Je ne connais plus aucune personne, comment l'appeler, qui est russe ou ukrainien. Pour moi, tous les gens ont toujours été bons. J'ai toujours été positive par rapport aux nationalités. Pourquoi les responsables font-ils ça? Je n'en sais rien. Quand tu écoutes la Russie, ils disent que nous sommes mauvais. En quoi sommes-nous mauvais? J'ai un frère qui vit là-bas, mon père est russe, ma mère est ukrainienne maintenant. Nous sommes mauvais et c'est tout. Pourquoi sommes-nous mauvais? Vous savez, j'ai vu à quel point Poutine parle mal de nous. Et j'ai envie de lui dire, pourquoi tu parles de nous comme ça? Nous sommes des gens bien et toi aussi tu peux l'être. Nous sommes des gens bien avec une tête, 2 mains et 2 jambes. Des humains, tout simplement. Propos recueillis par Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev.